Hey, salut tous les amis, c'est Dai Lavarge Pokémon, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui m'écoutez, ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Pokémon Rumble World et Willy Talk. Du coup, c'est parti, on avait capturé Eatran et du coup, le grand objectif de cet épisode les amis, ça va être, évidemment, de capturer d'autres Pokémon super puissants et de retourner sur cette mission impossible qu'il est pour le moment qu'il est, mais j'espère qu'on la réussira et je suis sûr qu'on la réussira. Merci à tout votre soutien, ça fait super plaisir. Du coup, regardez-moi ça. On va regarder. Excusez-moi, je règle quelque chose. Comme toujours, vous me connaissez, c'est comme ça. Voilà. Et donc du coup, les amis, on va aller voir les montgolfières, ce qu'il y a d'intéressant. Voilà, donc non, comme d'habitude, rien d'intéressant dès le début. Il va toujours falloir se battre. Avoir de la chance pour obtenir quelque chose d'intéressant. Une nouvelle fois, il nous faut un Pokémon de type O. J'ai envie d'un Kyogre. J'ai envie d'un nouveau Kyogre. J'ai envie de gagner de l'espoir. J'ai envie que ma team s'agrandisse. Et j'ai envie d'avoir ce Kyogre. Ce Kyogre qui me paraît tellement loin. Qui me paraît loin. Loin quand je vois ça. Mais on va quand même essayer, mon gars. On va quand même essayer. Alors, attendez. Et bah alors attends, on va tomber sur Pyroli. Parce que c'est le seul qui nous manque de cette montgolfière. Donc ok. Et donc nous voilà sur la montgolfière de Pyroli. Donc la montgolfière de Pyroli les gars, j'espère. Donc attendez, là c'est l'une des premières fois où j'essaye Ok. Voilà, très bien. La première fois où j'essaye Eatran, je ne sais pas vraiment ce qu'il vaut. Je pense qu'on va changer de Pokémon. Allez, on va se prendre Mewtwo, le bon vieux Mewtwo, les gars. Eh oui, un vrai de vrai thug. Ma tête est un peu blanche, malheureusement. Bon, alors c'est comme ça. J'étais chez Coiffeur, d'ailleurs, vous pouvez voir sur mon Twitter. Tout a été mis sur mon Twitter, les photos d'avant, après, etc. Même pendant. Enfin bon, en tout cas, merci à vous tous de suivre ce Let's Play. Ça fait super plaisir. J'espère que vous aurez toujours la pêche, la banane, tout ce que tu veux, mon gars. Parce que c'est le plus important et c'est ce qui prime sur ce Let's Play. S'amuser, prendre du plaisir et toujours quand même garder un fil rouge, c'est-à-dire un objectif. Du coup, on avance. Alors, oh, des girafaris, ça fait longtemps. Oh mon dieu, il y a un girafaris qui a bugué là-bas. Bim. Ok, on capture plein de Pokémon, c'est pas forcément super bien parce que bon, on les a déjà tous pratiquement. Bah oui, on les a déjà tous évidemment. Alors, on les tue tous et on ramasse tout. Pourquoi? Pour essayer d'avoir plus d'arc-en-ciel à la fin. 30 diamants par contre c'est limite hein. Ouh, 30 diamants c'est pas assez Oui c'est limite, mais bon c'est pas grave. Oh, un Pokémon rouillé. Il y en a de plus en plus souvent je trouve, d'accord. Bon, pourquoi pas. Pourquoi pas les gars, pourquoi pas. Pas encore le boss, mais what. Mais quand est ce boss. Ok. Oh là là. Quel massacre, c'est un réel plaisir. Je me rappelle au tout début de ce display où on avait du mal à aller jusqu'au boss et on était, voilà, on savait pas trop ce qu'il fallait faire. Et là où on en est, c'est quand même magique, les gars. Et franchement, ça, on peut s'applaudir. On peut s'applaudir, les gars. On peut s'applaudir parce que c'est grâce à vous tout ça. Merci. C'est voilà, c'est merci beaucoup. Du coup, ah, il ne brille pas. Ok, on va y aller avec Xerneas. Cours, Mewtwo, cours. Alors les Gravalanches, ils sont complètement paumés, mon gars. Je n'ai jamais vu ça. Non, c'est pas Xerneas, à chaque fois je dis, c'est gentil. Allez. Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils sont chiants, les Gravalanches, là. Oh là, vous êtes relous. Oh là. Sérieusement. Servez à rien, les Gravalanches, là. Non, mais c'est vrai, quoi. Oh là là. Mais dégage. Cette technique est magnifique. J'adore ça. Du coup, et bim, on prend ce Pyroli. Ce qui veut dire, les gars, ce qui veut dire que nous avons toute cette montgolfière. Et ça, c'est Bruno, parce que ouais, je crois que c'est la première où on a tout. Mewtwo, allez, let's go. Let's go, malheureusement, pas d'arc-en-ciel, mais c'est pas grave. Ok. Alors.
Alors, est-ce qu'on complétera tout le Pokédex de ce jeu ensemble? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Oh là là, je ne sais pas. Alors, regardez, normalement, on a tout. Hein? Non? Bah, elle est où la Saphir? Ah, bah, elle est tout en bas. Aïe, aïe, aïe. Non, on n'a pas tout. Ah, bah oui, bah. Oh là là, c'est le fail. Mais c'est le fail. Ok, c'est pas grave. Ouh, ouh, j'ai cru qu'il y avait un. Ouh, j'ai cru qu'il y avait un 3 étoiles aussi. Oh là là. Oh! Oh! Oh mon dieu! Il y a Reshiram qui apparaît! Désolé, j'ai une petite touche, je ne sais pas pourquoi. Alors, non, ça ira, mon gars. Merci, bye bye. Ah, ah, ah. Mais écoutez, on va passer par là. Bon, alors, on le fait presque jamais. Ok. Alors, je pense qu'on va aller voir Reshiram. Hein. Regardez tous mes petits arbres derrière, ça fait plaisir. Rien d'intéressant non plus. Un petit Latias. Oh! Hello? On a déjà parlé à elle ou pas? Désert du guetteur. Et donc comme je disais, est-ce que c'est un Victini à la fin? On dirait bien un Victini, mais vous savez quoi, on va quand même aller voir Victini, même s'il y a Reshiram. Ah masque, faut pas que je me trompe quoi. Putain, j'ai quand même un doute quoi. Je sais pas. Ah mais non. Je peux pas tenter parce que je sais même pas le nombre d'étoiles qu'il y a. Je suis complètement bloqué. Je suis complètement bloqué. Du coup, en tout cas, eh bien, écoutez, on va aller se faire ce bon gros Reshiram. Qui peut-être, peut-être si on le capture, pourra nous aider pour la suite de l'aventure. Je ne sais pas. Du coup, franchement, c'est magique. Hein. Reshiram, c'est pas souvent, les gars. Bim! Bim, mon gars! Donc, c'est très bien. Bon, c'est facile. Hein, juste à sauver la roulette, évidemment. Voilà. Ça fait plaisir et du coup bon il y a beaucoup de coupures dans cet épisode, j'ai eu quelques soucis mais du coup quand même bah, une belle rencontre, donc on va voir ce que ça va donner, j'ai hâte de savoir, je pense qu'on peut réussir. Si je dis on va, je m'avance un peu trop et j'ai pas envie de décevoir. Allez. Ok, hop. J'adore cette musique. Elle est pas mal cette musique, elle est pas mal du tout. Ok les gars, il faut que j'arrête de tousser, sans déconner, c'est fou. Alors, il nous manque Aeromite, quand même, et Spiridombe. Ah, dès qu'il commence à attaquer Mimitos, c'est insupportable. Ok. Ok. Oh, un Arbok balèze. Qu'est-ce qu'il a d'extraordinaire? Il est balèze là? Oh. Oh, c'est génial. Je suis content comme un enfant. Je suis super content. Juste parce que j'ai un Arbok en balèze, mon gars. Mais c'est ça qui fait plaisir. Hein. C'est ça qui fait plaisir, mon gars. Alors, Reshiram, dis-moi que tu brilles. Je savais déjà d'avance qu'il n'allait pas briller. Parce que j'ai plus de Pokémon qui brillent en ce moment. Il est déjà vénère, le gars. Déjà énervé. Mais non. Mais les Ponitas sont... Mais oh là là. J'ai même pas envie de me justifier. C'est pas bon, je suis pas bon, je ne suis pas bon ce soir les gars, je ne suis pas bon, je ne suis pas bon, je ne suis pas bon. Ah, ça veut dire. Oh putain. Hop, stop, on va prendre Diancy avec sa capacité effort qui nous permettra peut-être de l'étourdir et donc de pouvoir après le taper pour le capturer.
Mais non! Putain. Le problème, c'est qu'avec ma vague, je le tape. Sans faire exprès, je le tape et j'ai vraiment envie de le capturer. Après, voilà, peut-être qu'il y aura une autre occasion, mais je peux pas savoir. Allez, please! Putain, mais il est insupportable, ce Reshiram! Il est vraiment... J'ai fait ça dans la tête, je sais pas pourquoi. Non, par contre, faut pas que tu meurs! Ok. Là, on est bien, là, on est bien. Oh non, mais... Oh, putain. Je suis hyper concentré, les gars. Je suis hyper concentré, vous le voyez, les tugs. Un tug peut aussi se concentrer, c'est normal. Mais allez! Allez! Mais non! Mais c'est pas vrai, mais il est insupportable! Il te fait une attaque, il te colle, mais c'est pas possible! Puis il y a des Ponyta à foison aussi là! Oh là là! T'es énervé, j'avais envie de le tuer. Il va me tuer mon diamant si je vais perdre des diamants, j'en suis pratiquement sûr. C'est dur, c'est difficile les amis, je vous promets, c'est pas si simple que ça. C'est pas si facile. Ok. C'est pas si facile, éteindre un diamant si libéré. Putain. Non c'est bon, je suis mort. Ok. Oulala. On va appeler le Pokémon de la situation. On a vite de tourner en rond parce qu'on s'en sortira jamais. On va appeler, s'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour... Attention mon gars, vous le connaissez tous, il est célèbre. Il est magnifique, il est puissant, il a un côté mystérieux. Attention, c'est bien sûr évidemment... C'est Mascaïmon le Tug. Magnifique, ok. Mascaïmon, il est chaud là. T'es chaud, Masca. Vas-y, Masca. Non, Masca. C'était sûr. Je le savais, malheureusement. Je le savais, évidemment. Fallait qu'il survive à cette attaque. Cette attaque qui est insupportable. Faut le préciser. Oh là là. C'est du suicide. Mais non, mais ils m'ont gangbang les Ponyta. Ok, c'était un risque à prendre malheureusement. J'ai même pas envie de reprendre un bâton. Sans vous mentir. Hein. On va tout réinitialiser. Voilà. On va prendre Arceus, c'est bon. Tant pis. Mais what? Putain, mais c'est pas vrai, oh là là. Voilà, ok, c'est bon, on en finit. Un échec, cette capture de Reshiram. Un échec, les gars. Ça arrive, malheureusement, il avait une attaque à la fin qui était impossible à gérer. C'est comme ça. Impossible à gérer, je pouvais rien faire. Non, j'ai fait tout ce que je pouvais, je m'en excuse. Non, là, je pouvais pas. Là, je pouvais pas, les gars. C'était compliqué. Là, fallait y aller vraiment à la chance. Et la chance n'a pas été présente cette fois-ci. Elle ne peut pas être présente à tous les coups. Et ça, c'est normal. Alors, est-ce qu'il y a toujours Victini? Alors, après, est-ce que c'était vraiment Victini ou pas? À vous de me le dire. Et est-ce qu'on pouvait la voir? Est-ce que c'était lui qu'on débloquait au final? Alors, y a-t-elle encore un miracle? Putain, il nous faudrait vraiment un bon petit arc-en-ciel là. Ah, qui régalerait. Ouh là là. Allez. Allez, au revoir Reshiram, au revoir, au revoir. Voilà. Bon, on va essayer. On va essayer. Pourquoi pas? Pourquoi pas, les gars? Pourquoi pas? On est bien. Allez, bien. Ok. Donc. Ah, des Mascaïmon. Ça se trouve, c'est ici même que nous avons eu notre Mascaïmon. Mais alors, est-ce que c'est Victini en bas et est-ce que Victini va être disponible ici? La musique est chelou. Bon. Oh, des neneufs! J'adore neneufs! J'ai un finger puppet des neneufs que j'ai gagné à la Japan Expo. Il est carrément génial. Allez.
C'est parti. Allez. Combo 20, oh, c'est cool ça. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé les machins. Ah, me dis pas que... Oh non. Mais non. C'est pas du tout Victini. Oh. Mais c'est arnaque. Scandaleux. C'était pas Victini en bas à gauche, c'était Sunistrel, mais comment voulez-vous savoir? Mais fait des dégâts cet enfoiré en plus! Oh là là! Pff, oh, je suis déçu. Je suis déçu, les amis, sans vous mentir. C'est bon, Marakashi, c'est bon, ne t'en fais pas, de toute façon, ton sort était scellé. Ok. On se barre d'ici, ça craint. Ça craint vraiment. Allez, on se barre. Parce que là c'est bon quoi. Ok, au moins pas de regret. On saura que c'était pas Victini. Que ce n'était pas Victini. C'est pas grave, ça arrive les amis. Puis voilà, on aura fait une petite montgolfière. Peut-être avoir débloqué les arcs-en-ciel, mais pas du tout en fait. Ça arrive les amis. On peut pas, voilà, c'est comme ça. Bah écoutez, le fait de ne pas avoir d'arc-en-ciel me perturbe. On va aller ici, aller pour le fun. Il faut qu'on se débloque des arcs-en-ciel, les gars. Allez, on s'en fiche un petit peu. Mais c'est toujours les mêmes mondes qui tombent. C'est toujours les mêmes, mon gars. Tu peux rien faire, tu peux rien faire. Allez, ok, c'est parti. Non, 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 j'adore cette musique. J'espère que vous êtes toujours bien là, voilà. J'espère que l'épisode se passe plutôt bien pour votre part. J'espère que vous profitez, j'espère que vous avez le smile. J'espère que voilà, tout se passe bien pour vous. Et si ça se passe pas super bien, dites-vous que ça va s'arranger. Dites-vous que ça va s'arranger, que vous êtes des thugs. Ça fait plaisir. Du coup. Ok. On est bien. On est plutôt bien au niveau du timing pour essayer de faire quelque chose après. Faut gérer le timing aussi, tu vois, voilà, quand tu tournes. Mais bon, pour l'instant, c'est plutôt bien, en tout cas. Ouais, non, mais je suis un peu pensif par rapport à cette mission avec le Mega Brasigali qui me chagrine. Hein. Ça me chagrine de pas pouvoir être assez puissant. C'est assez chagrinant, moi j'aimerais bien y arriver, vous montrer ce qu'il y a après. Voilà. Mais bon, malheureusement... C'est difficile, malheureusement, c'est difficile. Là, on va tout de suite changer de Pokémon, parce que là, ça va être relou, ici. Oh là là. Des mucuscules, de la baffe partout, mon gars. Ok. Allez, Mewtwo. Pourquoi, David, tu n'utilises pas Mega Mewtwo? J'ai déjà un Mewtwo avec les deux gemmes. Je suis un peu attaché à l'autre Mewtwo, sans vous mentir. Et j'ai pas envie de racheter les gemmes. J'ai envie de le garder normal, après... Rien ne peut l'empêcher que je reprenne les gemmes. Que je me refasse plaisir, évidemment. Oh, Colimicus, tiens. Ouf. Allez. Où sont les arcs-en-ciel, mon gars? Ils sont pas là, putain. Collectionneur dragon, sympa. Sympathique. Allez, please, s'il vous plaît, il nous faut des arcs-en-ciel, les gars. Il nous faut absolument des arcs-en-ciel, sinon on pourra jamais s'en sortir. En tout cas, pas comme ça. Il nous faudra des arcs-en-ciel. Je pense vous faire du rumble en live pour avancer, pour essayer de se faire sa team, etc. Dites-moi si ça vous dirait. Ouais. Ah là là. Alors, on va sur la toundra plasma. Oh, je m'en fiche un petit peu également. Parfait. Je me disais, ouais, le méga lagroon, il me tente bien et tout. Mais c'est sympathique, c'est sympathique. Alors. Franchement, j'ai envie de tracer et pas combattre les gens. C'est bon, ça me saoule. J'ai pas envie de les combattre, on a déjà tout x500. C'est bon. What? Ah ouais, mais j'ai pas suivi la flèche, ok, la ville. J'ai essayé d'aller en mode Thug Life, tu vois, mais le jeu n'a pas voulu. Ok, les gars. J'ai envie de tracer, j'ai pas envie de... Oh, j'ai déjà tout ici, c'est bon.
Je vais avoir 162 petits tards, 45 gobous. Ah, c'est bon, les gars, hein, on a déjà capturé tout le monde. Hop, hop, hop. Hein. Comme dirait l'autre, du coup, au revoir les petits tards. Ça va la forme, ça va la bise. Voilà, je te fais la bise. Ok, ça va toi aussi la forme. Allez, on s'en va d'ici parce que ça ne ressemble plus à rien. Allez, la grune, s'il te plaît, brille. Mais l'escroc. C'est un escroc! Ils font mal! Ils font super mal! Allez! Mais what? On va prendre Nancy. On va prendre Nancy, on va essayer de le capturer, ce Pokémon. Je sais pas ce que ça va donner. Ouais, c'est pas mal. What? Il a bugué mon Nancy là. What? Alors, je suis en fait, je pense beaucoup, sans vous mentir, je pense beaucoup, hein. Je sais que je suis pas, là je suis pas, ouais et tout, je pense beaucoup et je me dis, qu'est-ce qu'il faut que je fasse quoi? Et est-ce que ce Lagrune pourrait me sauver? Tain! Parce que je me dis, oui, Lagrune, typo, méga Lagrune, il peut être assez puissant, on sait pas... Voilà, vous m'avez compris. Vous avez compris mon raisonnement. Non. Non. Je vais mourir. Ils font mal, ils font mal. Les méga Dionty. Ah, mais pourquoi je suis pas méga Dionty d'ailleurs? Mais what? Mais oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, on va aller voir les Pokémon rouillés à la fin de l'épisode, comme promis. Hein, si j'oublie pas, mais normalement. Bon, on verra, mais normalement, ça devrait le faire. Ah putain. C'est pas vrai! Oh, putain. Je suis déçu. Je suis déçu, juste là, le truc qui a fait qu'il est mort. J'ai même pas envie de chercher plus longtemps le capturer, de toute façon. Mais pourquoi il attaque pas mon Kyurem? Oh là 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 là. Oh les gars. Oh les gars, non mais là cet épisode. Quelque chose peut encore arriver, hein, j'y crois évidemment, mais. Et ce quelque chose est arrivé. Yes, Burst, c'est pas possible. Ce quelque chose est arrivé. Yes. Oh, c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Mais non mon gars, mais non, tu peux pas tester, c'est génial. C'est génial les gars, c'est méga génial, méga Lagrune rentre dans le game. Méga, méga, Brasi, Gali, tu vas souffrir, on fait de la trap musique. Hello sweetie, sweetie. Bizarre. Ok, on va lui apprendre une bonne attaque mon gars. Ça va régaler, s'il te plaît, si tu en as une à apprendre. Apparemment. Non. Putain. Vas-y, plonger au coup hydro queue. Alors, il n'y a pas une attaque à 5 étoiles. Il n'y a pas une attaque à 5 étoiles avec une attaque eau. Mais non. Mais non. Ah si, surf. Surf et séisme. On va lui apprendre surf déjà. Belly ou laser glace. Voilà, oui. Et vous savez quoi? Je vais y apprendre également. Je vais y apprendre également séisme. Pour 2 diamants. Et je vais... Non! Ouf. On n'est pas passé loin, les gars. On n'est pas passé loin. Séisme? Oui.
Place de Lazarus. Payez 2. Ok, qu'est-ce que tu me dis, toi? Rien de rien. Alors, on devait aller voir les Pokémon rouillés, je vous avais promis. Le premier, c'est gratuit, voilà. Donc, on va voir pour Voltali. B validé. Ok. Allez, c'est parti. C'est quoi? Je m'attendais à autre chose. Bon, bah, ok, les gars, voilà, ma promesse est tenue. Je vous ai montré. Bon, bah, je m'attendais à mieux que ça, sans vous mentir. Ce Lagroon, les amis, j'espère. On va tenter la mission. On va la tenter en fin d'épisode, là. On va la tenter. Ce n'est pas fini. Et ce n'est pas fini. Allez. La Lagroonite. On va voir ce qu'il va donner. J'ai un petit peu peur de cette mission. Vous le savez. Vous le savez tous. C'est difficile. Ce n'est pas facile. Mais ce n'est pas fini, mon gars. Voilà. Ok, l'empereur des ombres, c'est parti. Donc les amis, on arrive bientôt à la fin de l'épisode. Du coup, je peux quand même vous passer le petit truc à dire en commentaire pour me montrer que vous avez été jusqu'à la fin de cet épisode. Et en tout cas, ça me fait super plaisir à chaque fois. La dernière fois, c'était David Lafarge Gaming, ma chaîne secondaire, parce que j'en avais beaucoup parlé. Et du coup, cette fois-ci, je ne sais pas. Cette fois-ci, on va dire... On va dire David, non, on va dire énorme surprise. Voilà, on va dire énorme surprise. Je vous laisse deviner pourquoi. Voilà, je fais du petit teasing, j'adore ça, voilà, ça me plaît. Ok. Tout se passe parfaitement. Est-ce qu'on peut se barrer? Ah, il est pas femelle. L'autre, il était femelle avec du rouge à lèvres. Ah si, je vous promets, hein, franchement, je vous mens pas. C'est pour ceux qui se rappellent. Ah, ça fait bizarre de pas voir la femelle. Oh la vache. Non, s'il te plaît, gros. Non, 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 non. Mais en fait, tu butes qui? T'es inutile. T'es inutile. Tu fais juste perdre mon temps. Oh non, pas prélèvement destin, je sais pas quoi. Ah, c'est agaçant. Testicule butoqué. Je le hais. Je putain. Mais c'est fou. Mais il me rend cinglé ce cul butoqué. Oh, c'est pas possible. Le temps va être très limite. On va être très limite au niveau du timing, les gars. Parce que c'est une mission, voilà, c'est vraiment compliqué, hein. Franchement, c'est pas facile déjà. Arrête, ils t'en mettent là, des escrocs, voilà. Ok. 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 Allez. On va se les faire au calme. Voilà, les gars. Ça, c'est bien. C'est du beau travail. On va esquiver les coups de machin, là. Voilà. Voilà. Plein de petites... plein de petits temps. Ça fait plaisir. Ok. On n'en a pas oublié. Si, un seul. Est-ce qu'on en a oublié un? Non. Allez. Ok. On est chaud. Alors, je vais sacrifier mon Dialga. Voilà. Ok, c'est pas grave. Regardez-moi, il est balèze! Il est balèze, mon gars! Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qu'il y a, mon vieux? Tu peux pas tester Méga Lagroon! Les! Termine-le! Termine-le avant que ça soit trop tard! Termine-le! Vas-y, Lagroon! Vas-y! Oui! Oui, mon gars! Le temps va très limite.
Ok, merci le temps. Merci, c'est la première fois qu'on vient jusqu'ici. On peut s'applaudir, les gars. Nous sommes des vrais, des thugs, mon gars. Des vrais thugs. Allez, d'ici, il va y avoir. Ça m'étonnerait qu'il y ait que ça. C'est pas vrai. Stop. Allez, il va falloir se dépêcher, les gars. Mais non. On peut être fier de nous pour l'instant. On peut être fier de nous, les gars. On peut être très fier de nous plein de temps. Oh yes, ce temps. Oh, je l'aime. Oh là 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 là. Ouh, j'adore ce temps. Ouh, oh, qu'il fait du bien. Oh là là, c'est un cadeau. C'est un cadeau, gros. Oh là là, c'est cadeau. C'est cadeau. Mais alors, pourquoi c'est cadeau? J'ai un peu peur. J'ai un peu peur. Pourquoi c'est cadeau? Allez, c'est parti. Ah non, 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 c'est des Pokémon de typo. Putain, mais qu'est-ce qu'on va prendre? Oh, qu'est-ce qu'on va prendre, les gars? Mais what the fuck? Mais non! Mais non! Mais il y a 3 Deoxys! Mais il y a 3 fucking... Deoxys! Mais what the? C'est pas possible, les gars, il nous reste plus que 2 chances après celle-ci! Non! Mais non! Ah! Ça! Diamant. Putain, non. Putain, pas ça. Arceus. Putain, ils font mal. Mais tu peux pas gagner! Ça n'existe pas! Ça n'existe pas, mon gars! Ça n'existe pas, y'a Créfolé! Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est que cette mission? Mais tu te fous littéralement de ma gueule? Mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Mais tu te fous de moi? Mais c'est pas possible, gros! Mais c'est pas possible! Mais tu peux pas gagner! Tu ne peux pas, c'est un rêve! Y'a des... Mais c'est pas possible! Tu te fous littéralement de ma gueule, gros! Fuck off! Fuck off! J'en ai marre de cette mission! Cette mission, putain! Mega Rayquaza! Mega Rayquaza, les gars! On est sérieux ou pas? Est-ce qu'on voit ce que je veux dire ou pas? Mega Rayquaza! Bon, on va voir les points positifs. On a la Groune qui pourra passer ce Brasigali. Mais à la fin, je vais Rayquaza, les gars. Mais j'ai pas de Pokémon. Je n'ai pas de Pokémon pour le tuer. Ok, les gars, on aura avancé d'un pas pour cet épisode. Un énorme pas. Un très très grand pas, je dirais. Et bah franchement, c'est plutôt sympathique. C'est plutôt sympathique et ça fait plaisir. Il y a Kyurem ici, mais pff, vous savez quoi, c'est même pas la peine. On vient de le capturer et tout. Ça va être compliqué. On va pas se le cacher, on va être honnête entre nous. Ça va être compliqué, c'était un long épisode, mais merci à vous tous de l'avoir suivi. On progresse. Merci à tous ceux qui suivent l'aventure de A à Z, même ceux qui sont arrivés entre temps, qui la suivent encore. Merci à vous, vous êtes vraiment des thugs. Les gars, n'oubliez pas le mot à dire, c'est-à-dire énorme surprise, il me semble. En tout cas, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à faire péter les pouzzers, ça fait super plaisir. On se dit à très bientôt. Bye bye!